Stas trop trop, Stas trop trop, trop trop rigolo. Las trop trop, Las trop trop, trop trop rigolo. L'âne trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Très fort, trop trop, ce n'est pas une bonne idée, tu vas être tout mouillé. Oh, ça y est. Viens, nounours, il ne pleut plus, on va jouer dehors. Ce qui est bien avec les bottes, c'est qu'on peut marcher dans les flaques d'eau. On n'a pas les pieds mouillés. C'est rigolo, on est dans l'eau et on sent ses pieds tout chauds. On peut même sauter un peu. Même beaucoup. On peut même faire des glissades. Youpi! Une autre! Youpi! Ouais. J'ai de l'eau dans mon pantalon et même dans ma culotte. C'est froid. Et à force de sauter, il y a un peu d'eau qui est entrée. Une dernière. Ouais. Ah. 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 Cette fois, on est vraiment tout trempé. Et quand on est trempé, on est aussi glacé. Viens, nounours, rentrons au chaud. Tiens, il pleut encore. Mais tu es tout mouillé. Va vite te changer, te sécher devant la cheminée. Trottinette? Ouais! Elle est belle! Oui, et avec elle, c'est moi qui vais le plus vite! Ce n'est pas vrai, une trottinette, ça va moins vite qu'un vélo! Non! Tu as vu comment je vous ai doublé? C'est parce qu'on n'allait pas à notre maximum! On fait la course si tu veux! Le premier qui fait le tour du jardin a gagné! D'accord! Boubou, tu es l'arbitre! Tu vas voir! 3, 2, 1, partez! Je vais faire une petite pause. C'est trop facile de battre Lily. Oh, la jolie fleur. Allez, c'est reparti. Ah. Oh, Lily est loin. J'ai le temps de faire un pâté de sable. Et hop, bien.
bien passé. Vite, je dois repasser devant. J'ai été si vite que j'ai le temps de faire un tour de toboggan. Youpi! Lily est encore loin, je vais refaire un tour. Yahoo! Haha! Encore une fois! Oh non! J'avais oublié Lily! Vite, il faut que je la rattrape avant l'arrivée! C'est Lily qui a gagné! Non, ce n'est pas juste! J'étais en premier et puis je me suis arrêtée et... Mais c'est moi qui suis arrivée en premier donc, c'est moi qui ai gagné! C'est vrai, c'est elle qui a gagné trop. Oh non! On refait la course, Lily? Non! Ce n'est pas ma faute si tu es mauvais joueur, trop. Venez les enfants, il y a du gâteau au chocolat! Le premier arrivé a la plus grosse part! Et cette fois-ci, je ne m'arrêterai pas! J'adore faire du roller. Je n'en ai jamais fait. Ce qui est bien avec les rollers, c'est qu'on n'a pas besoin de ses chaussures. De Trotro, le héros. Hein? Ah, bravo! Oula! Et la chute de Trotro, le héros. Tu as raison, Lily. C'est pas facile, le roller. D'ailleurs, j'en ai assez, moi. Ce qui n'est pas bien avec le roller... c'est qu'on n'a pas ses chaussures pour rentrer à la maison. On va faire un goûter.
Ah! Oh! Oh! Tu peux m'aider, Lily? Viens, Trotro, on sera mieux sous cet arbre pour goûter. On va manger du chocolat. On va partager. Le chocolat avec du pain, c'est bon. Oh non! C'est tout fondu. C'est normal, le chocolat, ça fond quand il fait chaud. C'est bon quand même, le chocolat fondu. Oui, mais ça colle. Tiens, rince-toi les mains, Trotro. Moi, j'ai encore faim. Pas toi, Lily? Des gâteaux à la fraise. Ah, ça va être bon. Une abeille! Ne bouge pas, Lily. Tu sais, les abeilles préfèrent les gâteaux aux petites filles. Oh, merci, Trotro. Tu m'as sauvée. Maintenant, j'ai soif. Je n'ai qu'un seul jus de fruits. Et moi, j'ai deux pailles. C'est rigolo de goûter sur l'herbe. Oh oui. Oh non! Il pleut! Notre goûter est fichu! On va être tout trempé! Mets-toi sous la nappe, Lily. Elle va nous abriter. Votre goûter, les enfants. Merci, maman. C'est bon de goûter à la maison. J'ai une idée, ça va faire une belle cabane. Ce sera ma cabane à moi. Je vais m'installer tout de suite avec Nounours. Oh! La 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 la. On est bien dans notre cabane, hein, Nounours? Vraiment bien. Tu es là, Trotro? Oui, tu as vu ma cabane, Lily? Elle est très belle. Ça doit être rigolo de jouer là-dessous. Je peux venir avec toi? Impossible. C'est beaucoup trop petit pour deux. Enfin, pour trois. Tant pis, je vais chercher une autre cabane. J'ai trouvé une très grande cabane. Bonjour, voisin. Bonjour, voisine. Elle est belle, ta cabane, Lily.
mais j'aime mieux la mienne. Chez nous, c'est plus petit, mais on est bien. Un nounours. Oh, nounours, où es-tu? Oh, 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 aïe. Ma cabane, elle est toute raplapla. Tu peux venir dans la mienne, elle est assez grande. J'ai une idée. Lily, viens m'aider. Voilà, Lily. Ta cabane est encore plus jolie comme ça. Bravo, Trotro. Hé, regarde, on peut même faire une entrée. Ah. Nounours, tu viens avec nous? C'est notre cabane à tous les trois. C'est quoi ce drôle de caillou? Toc, toc, toc. Ah! Eh! Mais c'est une tortue! Eh! Ne te sauve pas, madame la tortue! Hein? Maman, maman! Regarde, j'ai trouvé une tortue! Oh, elle est rentrée dans sa maison! Mais tu sais, c'est une vraie tortue avec une tête et des pattes à l'intérieur! Bien sûr, mon Trotro. Va prendre une feuille de salade dans la cuisine et donne-lui à manger. Allez, madame Tortue, sors! N'aie pas peur, je suis un gentil Trotro. Ah! C'est bon, hein? Attends! Elle ne va pas très vite, ta tortue nounours. Viens! Allez, on se promène. Oh, tu fais quoi, Trotro? Je me promène avec ma tortue, je l'ai trouvée tout seule. Elle est belle, mais elle ne va pas vite. C'est parce qu'elle transporte sa petite maison sur son dos, c'est fatigant. Je vais l'aider. Vas-y, mets-la derrière moi, Lily. Ah, oui, oui! Aucune tortue n'est aussi rapide que la mienne. Alors, tu es contente? Tu vas beaucoup trop vite, Trotro. Oh, elle est rentrée dans sa maison. Ouh, madame la tortue! Toc, 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 tu es là? Peut-être que maman va savoir quoi faire. Maman, ma tortue s'est enfermée chez elle. Elle ne veut plus me répondre. Peut-être qu'elle a envie de se reposer bien tranquillement. Relâche-la dans l'herbe et joue à autre chose. Aglaé, Aglaé, où es-tu? Ah, mon Aglaé. Mais c'est ma tortue. Non, c'est la mienne. Elle s'est sauvée de chez moi et je la cherche depuis ce matin. Merci de m'avoir retrouvé ma tortue, Trotro. Moi j'ai retrouvé la tortue de Nana. Moi j'ai retrouvé la tortue de Nana. Maman, elle m'a fait un bisou parce que j'ai retrouvé sa tortue. Il est beau, mon cartable. 10, 7, 8. Lily, Nana, regardez, j'ai un cartable neuf comme les grands. Ah oui, il est beau, ton cartable. Tu veux jouer avec nous? On fait des concours de saut. Lily a tenu 8 tours et moi 6.
Perdu, Trot-Trot. Mais non, c'est pas moi, c'est mon cartable. Venez, on va jouer dans le sable. Ça, on dirait que c'est la colline. Et voilà le château. Trot-Trot, passe l'étoile derrière toi pour décorer la tour. Trot-Trot. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu pourrais faire attention avec ton cartable. Bon, ça ne fait rien. Allons jouer au toboggan. Trot-Trot, tu vas à la vitesse d'un escargot. C'est parce que lui aussi a une petite maison sur le dos avec son cartable de grand. Yeah. Et maintenant, tu ressembles à une tortue. Aidez-moi, je suis coincée. C'est à cause du cartable. Mais Trot-Trot, enlève-le pour jouer. Non. Moi, je veux garder mon beau cartable. Mana, je peux monter à côté de toi? Ah non, Trot-Trot. Il n'y a pas assez de place pour toi et ton cartable de grand. Oh. On joue à Chabizou. Top, c'est toi le chat. Mana, attention, c'est trop près, Chabizou. Ouh, ouh, on est là, Trot-Trot. Il est beau mon cartable, mais il me gêne pour jouer. Attention, voilà le Chabizou qui arrive. Ça y est, papa? Voilà, c'est bon à présent. Waouh! Il est beau, mon sapin! Oui, et puis il va continuer de grandir comme toi. Ça y est, papa! Je peux le décorer maintenant? Bien sûr, Trot-Trot, mais je ne sais pas où maman a rangé la boîte des décorations. Et quand est-ce qu'elle revient, maman? Quand elle aura fini de faire ses courses. Moi, je vais continuer à préparer le dîner. C'est trop long d'attendre, maman. Voilà déjà une guirlande jaune. Petit sapin. Et avec, tu seras bien au chaud. Et hop! Une décoration! Les jolis colliers de maman. Très jolie, toutes ces boules de Noël. Les cravates de papa, ça fait des belles guirlandes. Des belles chaussettes pour le Père Noël. Une pour maman, une pour papa et une pour Trot-Trot. La carte de mamie. Et voilà. Il manque quelque chose. L'étoile. Ah. Coin, coin et jaune comme une étoile. Plus que toi.
et c'est parfait. Coucou, c'est maman. Oh. Oh. Le beau sapin. Le beau sapin. Oui, et c'est moi qui l'ai décoré tout seul. Il est superbe ton sapin, Trotro. Bravo, il est parfait pour Noël. Il n'y a rien à changer. Sauf Nounours, parce que la nuit, il doit dormir avec son Trotro. Les belles framboises. Ah, ça pique. C'est tout doux dans la bouche. Et elle est bien mûre, cette framboise. Elle est sucrée comme un gâteau. Un gâteau. Ouais, youpi. Youpi. Maman, et si on faisait un gâteau aux framboises? Bonne idée, Trotro. Je vais faire la pâte. Et moi, je vais cueillir plein de framboises. Doucement. Oh, toi, tu es trop écrasé pour aller sur le gâteau. Oh, celle-là, comme elle est belle. Elle est trop grosse pour aller sur le gâteau. Hop. Il y en a tellement. Je peux encore en manger un peu. Miam, miam, miam. C'est tellement bon. Oh là là. Oh, mon panier est vide et j'ai presque tout mangé. Heureusement, il en reste encore. Mon panier est bien rempli. J'en ai beaucoup cueilli. Oh, mes belles framboises. C'est bon aussi quand elles sont écrasées. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout cueilli. Il en reste encore une. Oh non, ma framboise. Rends-moi ma framboise. C'est moi qui l'ai vu le premier. Oh non, l'oiseau, elle est à moi. Oh, il y a des prunes. Je vais les mettre dans mon panier. Maman, tu aimes les gâteaux aux prunes? Oui, c'est aussi bon que les gâteaux aux framboises. Et c'est encore mieux, le gâteau de Trotro sera beaucoup plus gros. Chaud. Oh, les fleurs, qu'est-ce qu'elles ont? Regarde, Nounours, elles ont l'air fatiguées. Elles ne sentent plus très bon. Oh là là, il fait trop chaud. Quand il fait chaud. Les fleurs, elles aussi, elles ont besoin d'eau. Je vais leur donner à boire.
C'est pas le sable qui a soif, ce sont les fleurs. Avec le tuyau d'arrosage, ce sera plus facile. Tiens, Nounours, tu vas m'aider. Hop. Tu as bu, Nounours, mais pas les fleurs. Doucement. Il faut beaucoup de seaux d'eau. Vous êtes trop nombreuses, je n'y arriverai jamais. Oh. Hein? Oh! Je crois qu'il va pleuvoir. Oui! 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 Il pleut! De l'eau! De l'eau! Regarde, Nounours! Les fleurs sont sauvées! Merci la pluie qui nous rafraîchit! Merci Madame la pluie! Allez, Trotro, rentre vite. J'ai gagné la course de sac à patates. C'est moi le champion. Oui, mon chéri, tu es le champion, mais il faut sortir du sac maintenant. Non, c'est mon sac porte-bonheur. Papa, j'ai gagné la course de sac. Regarde comme je saute. Oh! Trotro, arrête un peu de sauter, tu vas finir par tomber. Ne t'inquiète pas, je suis le champion. Allez, champion, va jouer dans ta chambre en attendant que le dîner soit prêt. Miam, miam, d'accord. Attention, oh. Trotro. Nounours, j'ai gagné la course de sac. Bon, à quoi je pourrais jouer? Ah, je sais, avec mes camions. Oh là là, j'ai perdu mon sac. Tant pis pour les camions, je vais plutôt jouer au ballon. Oui, je ne peux pas jouer au ballon non plus. J'ai une idée, je vais jouer au sac à patates. Non mais tu l'entends, on dirait un petit éléphant qui fait de la corde à sauter. Trop, pose ton sac et viens dîner, c'est prêt. J'arrive. Et tu vas manger avec ton sac? Oui, regarde. Ah. Et voilà, à table. Tiens mon champion en sac, mange bien. Et après, on ira prendre ton bain. Oui, maman. Trotro, viens prendre ton bain, il est juste tiède. Et voilà, je suis prêt. Oh non, Trotro, il n'est pas question que tu prennes ton bain avec ton sac. Mais maman, c'est mon sac porte-bonheur, je ne peux pas l'enlever. Pas de sac dans le bain, Trotro, un point c'est tout. Et en plus, tu vas le mouiller. J'ai une idée, maman. Tu vois, maman, c'est Nounours qui garde mon sac porte-bonheur. Tu ne vas tout de même pas dormir dans ton sac, Trotro. S'il te plaît, maman, je peux le garder. C'est d'accord. Tu peux le garder, mais seulement pour cette nuit. Merci, maman chérie. La 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 la.
Mais où est ma voiture jaune? Elle n'est pas ici. Elle n'est pas là non plus. Elle est sûrement dans mon coffre à jouets. Oh, ma trompette! Ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Mon flacon à bulles, je l'avais oublié. Ça ne marche pas. Oh! Il n'y a plus de produits à bulles. Heureusement que maman sait le fabriquer. Maman! Je n'ai plus de produits à bulles. Donne-moi ton flacon, Trotro. Il faut un peu de savon liquide et beaucoup d'eau. Voilà, Trotro, c'est prêt. Regarde, maman, je fais plein de bulles. C'est magnifique, Trotro. Mais va plutôt les faire dans le jardin. Je vais faire la plus grosse bulle du monde. Qu'elle est belle. Ah, je vais la garder pour la montrer à Lily. Oh, oh, je vais en faire une plus grosse et plus solide. Eh bien, je vais en faire plein. Il y en aura bien une qui n'explosera pas. Bonjour, Trotro. Bonjour, Trotro. Bonjour Lily, bonjour Boubou, vous venez jouer avec moi? J'ai vu tes bulles, alors j'ai apporté mon flacon à bulles. Et moi aussi. Regardez, je crois que c'est la plus grosse bulle du monde. Moi je vais essayer de faire les plus petites bulles du monde. Bravo Lily! Et moi je vais en faire le plus possible! Moi aussi! Que c'est joli! On dirait un jardin de fées! Ah, je parie que la prochaine qui éclate c'est celle-ci! Tu es très fort, Boubou! Allez, encore! Ce qui est bien avec les bulles, c'est que quand on a fini de jouer, on n'a pas besoin de les ranger. La la la. Et voilà, 5 gâteaux. Maintenant, je vais décorer mes gâteaux. Lily, regarde tout ce que j'ai ramassé. Oh oui. On va bien s'amuser. Madame la fleuriste, je voudrais acheter ce joli bouquet. Il coûte un gâteau, madame. Ce n'est pas cher. Je le prends. Merci. Au revoir, Nana. Bonjour, madame la pâtissière. Miam, miam, vous avez de beaux gâteaux. Excuse-moi, Nana, je ne l'ai pas fait exprès. Vous jouez à la marchande? On peut jouer aussi? Oui, vous voulez être quoi comme marchand? J'ai trouvé quel marchand je vais être. Attendez. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je peux faire des gâteaux? Oh non, trouve autre chose. C'est moi la pâtissière. Approchez, approchez, oyez, oyez. Venez tous jouer au grand jeu du badabadaboum. Une partie pour un bouquet ou un gâteau. Moi, je veux faire une partie. Je te donne un bouquet. D'accord, tiens. Oui, oui. Attends,
donne un gâteau pour jouer une partie. D'accord, tiens. C'est drôle, je vais chercher des gâteaux pour jouer encore. Oh, moi aussi, je vais te payer en bouquet. Je sais quoi faire. Ne bougez surtout pas. Où est-ce qu'il va? À moi, ce sera livreur. Pour vos livraisons rapides, mesdames. Voici Trotro Livreur Express. Aujourd'hui, je me fais tout beau car Nana vient jouer avec moi. Trotro, Nana est arrivée. Bonjour Nana. Bonjour Trotro. Tu veux voir mes jouets? Tu as vu cette trompette? Ça, c'est mon ballon. Et ça, mon masque de tigre. Je préfère mes jouets à moi. Je vais construire un beau château pour plaire à Nana. Tu veux que je te construise un château, Nana? Oui, si tu veux. Ça sera notre château, d'accord? Il est tout cassé, ton château, Trotro. Il ne reste plus qu'à mettre un toit. Trotro, je m'en vais. Si c'est comme ça, je vais faire une petite maison rien que pour moi. J'ai oublié mon sac à dos. Où es-tu, Trotro? Oh! Waouh! Quelle jolie petite maison! Elle te plaît? Beaucoup! Je peux venir dedans? Si tu veux. C'est notre maison à tous les deux. Elle est belle, notre maison, Trotro! Trotro, réveille-toi. Va vite vers ta toilette.
la toilette. Quand on commence au début, c'est toujours embêtant. C'est froid. Mais quand on continue, après, c'est marrant. D'abord les mains. Ça va. Ensuite, se débarbouiller la figure. Se brosser les cheveux. Et pour finir, les dents. Il faut frotter de haut en bas. J'adore le dentifrice à la framboise. Belle dent blanche. Tu es tout beau, mon trotro. Tu es tout beau, mon trotro. Trotro, tu as fini? Oui. Oh là là, Trotro, mais tu es tout sale. Va vite faire ta toilette. Mais je l'ai déjà faite. Eh bien moi, je crois que tu vas devoir recommencer. Faut tout recommencer. Faire sa toilette au début, c'est toujours embêtant. Mais quand on continue après, c'est amusant. D'abord les mains, ça va. Ensuite, se débarbouiller la figure. C'est froid. Se brosser les cheveux. Et pour finir, les dents. J'adore le dentifrice à la framboise. Tu es tout beau, Trotro.